Ding 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 ding. Allez, quel est le programme? On va où? Eh bien, je vous emmène, vous allez voir justement, vraiment en dehors des sentiers battus, dans des départements, soit qui sont moqués jusqu'à présent, soit dont on ignore complètement où ils se trouvent. C'est-à-dire des départements, je vais vous dire, ça se trouve où, vous allez me dire. Je vais vous dire, moi, l'Indre. J'ai jamais entendu, voilà, l'Indre. Bonne chance. Voilà, y a même l'Aisne, hein, c'est pas toujours très simple. Alors que c'est des territoires qui sont chargés, soit au niveau du patrimoine culturel, gastronomique, de plein de choses. Et surtout, ça nous permet de sortir un petit peu du tourisme de masse et d'éviter les prix qui sont pratiqués et qui sont un petit peu abusifs, surtout quand vient l'été. Voilà, donc c'est ça le but du jeu. D'accord, ça c'est le principe. Alors maintenant, quelle est la première idée? Alors, si je vous dis Alsace, évidemment, vous allez me dire, oui, l'Alsace est très jolie, on va penser tout de suite à Colmar ou à Strasbourg. Mais non, là, on va aller vraiment à la frontière allemande. Vous allez voir, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. À Haguenau, qui est la quatrième ville d'Alsace. Donc là, vous allez vraiment être entre vignes et forêt. Et ça va avoir tout le charme de l'Alsace, mais beaucoup moins cher, beaucoup moins touristique, beaucoup moins peuplé. Donc déjà, vous pouvez très bien vous balader dans la ville qui est hyper jolie avec toute cette architecture du XVIIIe siècle, trois musées dans cette toute petite ville. Donc c'est pour vous dire à quel point elle est riche au niveau du patrimoine. Et vous avez, ce qui est très sympa, quasiment dès le centre-ville, accès à la forêt. En fait, très vite, vous vous retrouvez dans la nature. La forêt, c'est pas n'importe laquelle puisqu'elle a été labellisée forêt d'exception depuis 2020. Ah, très beau. C'est le sixième plus grand massif de plaine de France, donc vous avez de quoi faire. Et là, en général, on vous propose des randonnées à pied, à vélo, à cheval, qui est quand même une sorte de sport national. Et vous avez l'Office du tourisme qui propose plein de petites idées originales sous forme un petit peu de balade à thème. Donc vous pouvez, par exemple, partir à la découverte des chauves-souris. Avouez qu'on n'y pense pas tous les jours. Non, c'est vrai, oui. Une balade chauve-souris. Moi, je vous ai dit que c'était original. Je vais à la rencontre des chauves-souris. D'accord, hein. Bon, l'idée, c'est d'être vraiment là, au plus proche de la nature, vous l'avez compris. Réussi. On peut faire aussi une sortie qui est rattachée aux plantes, vous savez, comestibles et aux champignons. Donc voilà, on part avec un guide et puis on grignote comme ça des petites choses que la nature nous offre vraiment sur le chemin. Mm-hmm. On peut faire aussi une sortie dans la peau d'un bûcheron. Plus sympa, moi j'aime beaucoup. Sympa, oui. Voilà. Ah oui, mais ça, vous aimez bien ça. Ah bah oui, l'imaginaire est sympa, oui. Hein, voilà, donc ça c'est très sympa, bien. C'est organisé par l'Office du tourisme. D'accord, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme activité? On peut aller voir des petits villages, notamment le village de Wissembourg. Je ne veux pas faire d'erreur sur la prononciation, typique, donc si je prononce mal, vous m'appelez. Il est intéressant parce que c'est l'un des plus beaux villages de France. Ah, alors là, c'est, vous savez, les espèces de maisons à colombages qui sont d'ailleurs assez réputé hein, dans la région, des belles bâtisses, des remparts, c'est vraiment très joli. Il y a une activité à faire en famille dans le coin, c'est le chemin des cimes. C'est en fait une espèce de tour panoramique de 30 mètres de haut qui va vous permettre d'admirer le paysage à 360 degrés. Mmh. Alors, ils n'ont pas fait d'escalier, ils sont assez sympas, c'est une sorte de petite pente qui petit à petit comme ça, voilà, monte, mais vous en rendez pas trop compte et vous vous retrouvez au sommet avec une vue à 360 degrés sur le panorama des Vosges du Nord et pour descendre, un immense toboggan. Génial. On adore à tout âge, voilà. Vous descendez, vous arrivez dans la ville. Vous pouvez faire dodo si vous êtes dans la région, on vous propose la source des sens. Alors derrière ce nom déjà qui promet pas mal de choses, c'est un hôtel spa 4 étoiles, regardez. Ce qui est très sympa, c'est que dans la région où tout est plutôt hyper classique et même très traditionnel, vous avez cet hôtel qui dénote par sa modernité, du béton ciré, du bois partout, la piscine qui est absolument fantastique. Et c'est à partir de 160 euros la nuit. Oh, franchement. Donc, ce que je vous disais. Il y a peu de chambres, apparemment. Il y a peu de chambres, oui. Il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas non plus. Voilà, c'est quand même un complexe. Un hôtel assez, d'architecte, ça sent le. Il y a une vingtaine de chambres. Ouais. Okay. C'est vrai que, voilà, il y a un côté très contemporain, design. Très moderne, très design. Pour 160 euros la nuit. C'est pas tous les jours qu'on trouve ça. Voilà. Alors, on part maintenant dans une région dont on sait où elle se situe. Ah, oui. Mais on ne connaît pas toujours le nom de la région en question, vous allez voir. Eh bien, alors, pas tout de suite la Creuse. Mais si je vous dis l'Aisne, par exemple, c'est vrai que je ne suis pas sûre qu'autour du plateau. Ah oui, là, vous dites, ça existe. Sachiez, à part Rodolphe qui prend sa moto tous les week-ends pour aller faire des road trips en me piquant toutes les adresses de Vive la France. Mais sinon, franchement, l'Aisne. Incapable de donner une ville. Ouais, au moins incapable de donner une ville. Je connais l'Ain, mais pas l'Aisne. Eh bien, alors, regardez, on va vous montrer où ça se situe. Ah oui, d'accord, j'aurais pas mis. Vous voyez, donc là, vous êtes vraiment pris entre plusieurs départements. Vous êtes vraiment
Auvers et vous allez pouvoir admirer châteaux, églises, fortifiés, etc. Et depuis l'année dernière, la région a vraiment bénéficié d'un énorme intérêt parce qu'il y avait beaucoup de sudistes en mal de fraîcheur et donc qui souffraient de la canicule, qui se sont réfugiés dans cette région-là. Et déjà, c'est pas par hasard, et surtout, ça va continuer à être comme ça, puisqu'on sait bien qu'on va quand même plus vers des canicules que vers des étés un peu frais. Ouais. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les Hauts-de-France, donc, où est située l'Aisne, ils ont été labellisés Région européenne de la gastronomie 2023. Donc, on y mange bien. Aussi. Donc, c'est très rassurant, et donc on est très, contents. Pour dormir, vous avez une jolie chambre d'hôte, là aussi, qui est une ancienne maison bourgeoise, regardez, au chapitre, en tout. Alors là, vous avez vraiment l'impression d'être chez vous, ou on va dire chez des copains, il n'y a que 5 chambres. Donc, c'est vraiment une petite maisonnette, décoration super authentique, très charmante, au calme. Vous pouvez aussi profiter de la terrasse avec jardin et jacuzzi. Une petite table d'hôte, rajouter à ça avec que des produits frais, que des produits de saison, pour 75 euros la nuit. D'accord. On a connu plus cher. Dire, mais jusqu'où on va mange... descendre. Et on y mange bien. Okay. Et on y mange hyper bien. Bah, de toute façon, je vous dis, elle a été labellisée Région européenne de la gastronomie 2023. Alors, le Tour de France de Caroline Iturbide. Une autre idée maintenant de destination méconnue pour se mettre, mais alors Auvers, pareil. Alors, la Nièvre. Pareil, franchement, en toute honnêteté. Moi, si vous dites Nièvre, moi, je pense François Mitterrand. Oui. Ah oui. Mais bon, je sais même à part pas où ça, ça se situe en France. Bah voilà, bah la Nièvre, on vous a mis une petite carte pour vous aider, parce que c'est vrai que franchement, je pense que si on interroge 10 personnes, il y en a peut-être une qui tombe juste. C'est donc un territoire qui est au sud-ouest de la Bourgogne. La nature est hyper préservée. Je voulais absolument vous parler de cette région pour vous parler du canal du Nivernais, qui est l'un des plus beaux canaux de France et qui va serpenter comme ça au centre de la Nièvre. Il a été construit par l'homme, ce canal. Et là, ce qui est très sympa, c'est que vous pouvez louer des petits bateaux électriques sans permis, évidemment, pour passer la journée ou le week-end comme ça, entre les tunnels qui ont été pareil, creusés à même la montagne. Enfin, c'est vraiment un univers et un décor très bucolique. Et pareil, on se dit, bah oui, on peut le faire dans les gorges du Verdon, enfin voilà, des choses qui sont beaucoup plus touristiques. Alors que là, je vais vous dire que vraiment, vous allez être tranquille. Niveau hébergement, petite pépite en vue, ça s'appelle le domaine des carriers, regardez. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est une ancienne carrière en fait, de calcaire dont les dépendances et les demeures ont été réhabilitées en maison d'hôte et en gîte. Oh. Hyper joli. Donc là, vous surplombez carrément le Cantal. Au loin, vous avez toutes les montagnes du Morvan. C'est magnifique. Et ils ont installé, ils sont gentils, une petite piscine qui ne sera pas de refus. Tout ça pour 140 euros la nuit. Alors, une autre région dont on ne parle pas forcément quand on veut parler de tourisme. Vous allez voir, c'est curieux. Pardon, du coup, je m'étouffe avec toutes ces belles adresses. C'est la joie, en fait, qu'il a. C'est ça. Je voulais vous parler de la Creuse. La Creuse, mais pour de vrai, ça, c'est pour de vrai. Parce que c'est vraiment un département qui est moqué. On se dit, ou alors qui est vraiment déprécié. On se dit, le pauvre, il va en Creuse. Eh bien, la Creuse n'est pas Creuse. Et ça, c'est important de le dire. Dès aujourd'hui, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. Vous allez pouvoir vraiment prendre l'air, mais comme jamais, notamment aux alentours du lac de la Vassivière, qui est l'un des plus grands lacs de France, qui est entouré, comme vous voyez, de nature, où on n'est pas trop vraiment venu embêter les choses qui poussent comme ça à l'état naturel. Vous avez des super jolis petits villages, et notamment le village de Masgo, où il y a un monsieur, et il a bien raison. Qu'est-ce qu'il s'est dit, cet habitant de ce hameau? Il s'est dit, écoute, je m'ennuie. J'ai des pierres, j'ai du temps, et je vais tout sculpter. Donc il a tout sculpté. Tout ce qui était important à ses yeux, il les a sculptés. Les animaux, les gens, des rêves. Que des nus. Donc quand vous vous baladez dans ce village, vous avez l'impression d'être comme dans une sorte d'expo comme ça, à ciel ouvert et gratuitement. Et puis c'est aussi la cité de la tapisserie. Vous le savez en tout cas en ce qui concerne Aubusson. Mais la tapisserie, il y a un côté un petit peu désuet. Là, pas du tout. Vous avez des choses qui ont été inspirées de Tolkien, donc du Seigneur des Anneaux, de Miyazaki, etc. Donc sincèrement, vraiment, redécouvrons cette région. La Creuse, c'est magnifique. C'est magnifique. Je peux le dire haut et fort. Ah oui, haut et fort, vive la Creuse. Assumer que la Creuse, c'est magnifique. Oui, puis le fait qu'il n'y a pas trop de monde, donc les prix sont abordables, franchement. Merci beaucoup. Très abordable au niveau des prix. Bravo.